يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي يا إلهي عبدك العاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شر فرير شر سوء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse sa grâce et sa miséricorde. Encore une fois, nous accorde l'occasion de voir une nouvelle année. Une nouvelle année musulmane, car dans quelques heures, nous allons nous retrouver dans la nouvelle année. Chers frères, chères sœurs, à cet effet, il est important pour chacun d'entre nous de retenir quelques points. La première des choses, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la possibilité, nous accorde la longévité afin de commencer une année est terminée et voir l'année suivante, nous devons pouvoir dire Alhamdulillah. Cela est très important car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit La in shakartum la azidannakum. Il dit si vous êtes reconnaissant, si vous savez remercier la grâce qui vous est faite, je vais vous augmenter en grâce. Allah nous accorde une nouvelle année hijrienne. Nous devons pouvoir dire Alhamdulillah afin que Allah nous accorde beaucoup d'années encore en santé et dans de meilleures conditions, chers frères, chères sœurs. Avoir une nouvelle année est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et selon les propos de l'imam Ali, karamallahu wajha, qu'Allah l'agré, il dit ceci. Il dit, Akbaru ni'ma, ni'matul wujud. Il dit, la plus grande grâce que Allah pourrait accorder à son serviteur, c'est la grâce de son existence en vie, chers frères, chères sœurs. Parce que plus nous sommes en vie, plus nous avons l'opportunité de faire beaucoup d'adoration, plus nous avons l'occasion de nous repentir de ce qui n'était pas bien, chers frères, chères sœurs. Et à ce terme, le messager paix et salut sur lui nous dit dans un hadith, il dit « Le meilleur parmi les hommes est celui à qui Allah accordé longévité et il a profité de ses longévités d'adorer beaucoup plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et le malheur d'entre les hommes est celui à qui Allah a accordé longévité et il a utilisé toute sa vie, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fasse Allah que nous soyons parmi les meilleurs des hommes. Donc pour cela, il est important de pouvoir dire Alhamdulillah. Et la meilleure manière de dire Alhamdulillah nous ramène au deuxième point, au second point qui est que devons-nous faire, chers frères, chères sœurs? Oui, nous savons que dans notre vie active, dans notre vie professionnelle, dans notre vie des affaires, dans notre vie courante, à chaque étape de notre vie, nous faisions ce qu'on appelle l'inventaire de nos activités.
Oui, il est important pour le croyant de pouvoir faire l'inventaire de ses activités. Oui, Allah nous a donné une année tout entière. Alhamdulillah, on a pu avoir ça. On s'était engagé au début de l'année d'accomplir des actions de bienfaisance, d'accomplir des actions d'adoration et de s'éloigner de certaines actions car qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important pour nous, à la fin de chaque année, de pouvoir faire un bilan moral, spirituel, social, économique, voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Si je m'étais engagé de faire par exemple le jeûne surrogatoire, ou si je m'étais engagé de poser des actions de bienfaisance et qu'à la fin de cette année, je me suis rendu compte qu'il y a eu des moments de flottement où je n'ai même pas pu réaliser, je dois encore demander l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala et me remettre en cause et chercher à transgresser cette barrière qui est devant moi et avancer dans l'objectif que je m'étais fixé. Mais si, alhamdoulilah, j'ai pu réaliser, je dois pouvoir demander le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala de me maintenir dans ce que je fais et de m'accorder aussi la prospérité dans ce que je suis en train de faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de l'islam. Et pour terminer, chers frères, chères sœurs, quand Allah nous accorde une nouvelle année, nous devons pouvoir demander le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que la nouvelle année que nous abordons soit pour nous une année de prospérité, de santé, de longévité, de succès dans tout ce que nous allons entreprendre. De ce fait, on peut organiser des lectures, on peut faire des séances de prière, on peut faire des séances de zikr, on peut même poser des actions de bienfaisance si on a les moyens, on peut aider des besoigneurs, on peut assister des personnes en difficulté pour que Allah subhanahu wa ta'ala m'épargne des difficultés de la nouvelle année, chers frères, chers sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintient dans la foi musulmane. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé à tous nos malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à franchir tout ce qui est obstacle dans notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.